C'est un masque grébo. Il est très important de par sa forme géométrique. On voit les différentes paires d'yeux qu'on peut détailler ici, ici et ici. Et on pense évidemment à Picasso et en lien avec son travail qui a pu avoir ce type de masque. La galerie Montbrison a ouvert en 1981 à Saint-Germain-des-Prés, à les rues des Beaux-Arts. Nous présentons à l'année une sélection d'œuvres d'art anciens d'Afrique et d'Océanie. Nous avons ici évidemment, nous présentons des chefs-d'œuvre plutôt durant la finale. Et là, une œuvre très classique, mais néanmoins magnifique, et ce masque baoulé de Côte d'Ivoire qui est à cornes et qui est d'un très beau classicisme et d'une grande beauté. Pour nous, alors, Fa Paris, c'est la renaissance aussi de la Biennale, à laquelle la galerie a participé de nombreuses années. C'est montrer des objets importants au sein du Grand Palais cette année. Nous la faisons depuis 3 ans maintenant et nous sommes ravis d'y participer. C'est important de soutenir la place parisienne en tant que galeriste et en tant qu'expert.